Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une vidéo pour vous montrer le nouveau jouet que j'ai reçu et que j'avais commandé sur Amazon. Voilà. Donc, on y va? Je vous montre ça tout de suite. Tintin, le JJRC H31. Voilà. J'ai reçu mon nouveau drone. Que voici, que voilà. Il est beau, hein? Je sais pas si on le voit bien là, je suis en contre-jour. Voilà, le nouveau drone. Olé! JJRC H31. Donc, voilà, il est livré avec sa radiocommande qui fonctionne avec des piles. Faut les acheter, hein, elles sont pas dedans. Voilà, des piles comme ça. 4 piles. Voilà, donc le cache. Il est livré avec des petits outils pour et des vis pour démonter le drone et puis monter les différents accessoires. Il est livré aussi avec des hélices. Olé! Des petites hélices de rechange comme ceci. Voilà, et il est livré avec une petite batterie et son mini chargeur USB. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc hop là, quand vous recevez le drone, faut monter les protections. Je vous montre là. C'est ça, les petits caches. Alors normalement, il y a les protections qui sont autour. Moi, je les ai coupées parce que ça se prend au vent et puis j'estime que là, c'est pas très très nécessaire sur celui-là. Voilà. J'ai vu pas mal de vidéos dessus et j'irai voler sans vos protections, sans les protections. Donc voilà les petits caches qu'il faudra visser, le support, le plutôt les voilà ça là les le train d'atterrissage qu'il faut aussi visser avec des petites vis qui sont dedans là, comme vous voyez les quatre. Voilà. Un petit interrupteur on-off. Voilà, moi j'ai mis une batterie dedans, là, il s'allume. Donc voilà. Et puis la notice aussi. La notice, hop là, pour le faire fonctionner. Voilà, donc bientôt je vous ferai une autre vidéo sur ce drone en action. Parce que là, aujourd'hui... J'ai un petit peu trop de vent, on voit pas ici là comme ça de chez moi, mais j'ai un petit peu trop de vent, je trouve. Et puis je vais prendre mon temps pour étudier un petit peu la radio et regarder parce que là-dessus il y a différents modes. Il y a les modes de vitesse, je crois, il y a trois modes de vitesse qui sont là. Il y a un mode headless qui doit se trouver par là. Ça sert à rien. Ça, c'est pour faire l'acrobatie. Voilà, sinon, toujours les mêmes manches, hein. Hop, hop, toujours pareil. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis un joli petit affichage qui s'allume ici. Voilà. On va allumer le drone d'ailleurs. Hop. Là, il s'appaire. Là, il doit être appairé. Voilà. Là, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Et là, normalement, il tourne. Regardez ça. Ah non, mais c'est parce que c'est fiscal. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai des choses à... Des choses à voir, hein. Et voilà. Donc, je vous refais bientôt une vidéo avec le drone en action. Et voilà, sur ces belles images, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures et sûrement avec le JJR C H31. Voilà. Et je pense pouvoir même monter ma vidéo embarquée là-dedans. Ça pourrait être sympa parce que là, c'est le modèle sans caméra vidéo. Il est très très léger. Très très léger. Donc,
Faut que je teste un petit peu la puissance qu'il a pour voir si on peut le, si je peux le, si je peux embarquer une deuxième batterie en dessous. Il y a de la place dessus. Ça pourrait être vraiment génial. Et là, à ce moment-là, pas de problème pour les films avec la petite caméra FPV et le masque. Voilà. Allez, les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.